voilà. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche, vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le Taurien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les Geth ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Où est le Taurien ? En dessous de Zeus Hope, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des Geth. Mais qu'est-ce que les Geth viennent faire là-dedans ? Pourquoi Saren s'intéresse-t-il au Taurien ? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez ? Que se passe-t-il, Joker ? Je capte pas mal de transmissions Geth. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu ? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Éloignez-vous de cette radio ! C'était quoi, ça ? Ici Juliana Benheim, de la colonie Féroce. Ceci est un SOS. C'est ma mère ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approche pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth! Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ben, vous voilà. Je commençais à espérer que les Geth vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce qui s'est passé sur Akuzé. Inutile de le réitérer ici. Qu'est-ce qui se passe ici, Jong ? Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong ! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines ! Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez leur parler du Taurien vous-même ou je m'en charge ? Le quoi ? C'est une créature télépathe qui vit sous Zeus Hope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi.
Ça suffit, vous allez trop loin. Très bien, vous l'aurez voulu. Comme si les Geth et le Taurien ne suffisaient pas, il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant de tout, mais je n'ai rien fait. Pas de ça avec moi, jeune fille. Tu as fait de ton mieux, tu le sais. Et maintenant, commandant? Je dois découvrir pourquoi les Geth en ont après le Taurien. Les colons ne vous laisseront pas approcher du Taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai vraiment pas le choix. Il ne doit bien y avoir un autre moyen! Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple. Balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne me semble pas être une très bonne idée. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas grand mal. L'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de la tétraclopine, un agent pouvant provoquer une dégénérescence neuromusculaire. Sur un système nerveux affaibli, ce produit aurait un effet incapacitant. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait marcher. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez... Je devrais peut-être leur demander de l'aide. Infection ou pas, ça ne peut pas être un humain. Interdiction de blesser les colons, même si le Taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. Compris, commandant. On peut y aller.
essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non! Tout a l'air ok. Il suffit de trouver cette... Qu'est-ce que c'est que ça ? Rien n'est jamais simple dans la vie, pas vrai ? Intrus, chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Saren. Le Taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Saren, quelque chose dont j'ai besoin. Saren cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Donnez-moi ce dont j'ai besoin et je vous vengerai de ce traître. Plus jamais le Taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terreau d'un nouveau cycle. Bien longtemps.
Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Comment vous vous êtes retrouvé à l'intérieur de cette chose ? Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée ? Benezia avait sous-estimé sa reine, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Cette fois-ci, les Asari ont eu les yeux plus gros que le ventre. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifiée pour conclure une alliance avec le Taurien. Pourquoi a-t-il ordonné aux Geth de détruire le Taurien ? Sa reine avait obtenu ce qu'il voulait. Laisser le Taurien en vie pouvait se révéler dangereux. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma ? Qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges, qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés et après leur mort, assimilés. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'ai besoin de l'énigma. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion, imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéens
fait désormais partie de votre être. Que s'est-il passé? Vous allez bien? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Vous n'avez pas l'air en grande forme. On devrait peut-être retourner au vaisseau? Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vu que vous êtes libéré du Toria, vous comptez faire quoi? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi? Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féroce est redevenu une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Ça ne sera pas facile, mais nous rebâtirons cette colonie. Vous avez guéri la plupart des malades. Ça prendra du temps, mais ils s'en remettront. Merci. Je n'aurais jamais pensé être aussi content de voir un soldat. Mon comportement a pu vous sembler étrange la dernière fois que nous nous sommes vus, mais j'étais sous l'influence du Taurien. Chaque pensée contraire à ses désirs déclenchait une terrible douleur. Que comptez-vous faire maintenant que la paix est revenue? Je crois que je vais rester pour essayer de renflouer mes caisses. Je devrais recevoir une nouvelle livraison dans quelques semaines. La colonie va peut-être survivre en fin de compte. Faites-moi voir ce que vous avez en magasin. Avec joie. Et si vous repassez d'ici quelques temps, j'aurai certainement beaucoup plus de choix. Merci de nous avoir libérés. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma? Il doit falloir un peu de temps pour que l'énigma fasse effet. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Content. Oh.
temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indice ou d'information utile, quelque chose qui nous aurait échappé ? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéens. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéins et le canal. Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Saren doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Vous êtes sûr que ça vient du rite ? Moi, je me sens bien. Votre rôle dans la communion est passif. C'est à moi de pénétrer votre esprit pour m'immerger dans vos pensées. Ce genre de choses est plus difficile qu'il n'y paraît. Le subconscient humain résiste instinctivement à cette intrusion, commandant. Une forte personnalité comme la vôtre rend la tâche encore plus ardue. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le Conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du Taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Exogénie a tenté de l'étudier. Et regardez ce qui s'est passé. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport.